à Sikwa, dans la périphérie d'Adzopé région de la Mé vu du ciel un tapis vert une exploitation luxuriante de riz sur 10 hectares une rizière créée grâce à un programme gouvernemental le Purga le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles qui vise un approvisionnement permanent des populations ivoiriennes en denrées alimentaires de première nécessité ici à Adzopé l'on est en phase d'expérimentation d'une culture de riz de seconde génération, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'irrigation. Nous avons fait le système d'irrigation, euh, c'est-à-dire que nous sommes dans une production irriguée. Nous n'attendons pas forcément le, la pluie pour pouvoir s'aimer. Donc euh, tout le système d'irrigation a été mis sur pied euh, par le cours d'eau qui est juste à côté et d'alimenter les différents casiers. Approvisionner continuellement les plants de riz en eau permet d'en accroître la production. Grâce au système d'irrigation, trois récoltes sont possibles par an sur ce site, avec un espacement d'un mois pour le travail de la terre. Pour chaque hectare, il faut compter environ 5 tonnes de riz pour la récolte. Le projet s'inscrit dans le cadre de la relance de la riziculture pour assurer à terme l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire et cela passe aussi par la mécanisation. La méthode ancienne, la méthode ancienne archaïque, comme, comme je le disais à la main, la Côte d'Ivoire ne, ne pourrait jamais se soucier de riz. Mais avec les machines, il y a de l'espoir. La Côte d'Ivoire va se suffisamment de riz et même exploiter et encore réserver pour, le, pour les années futures. Le riz, une denrée alimentaire très consommée en Afrique. En Côte d'Ivoire, la consommation de cette céréale est estimée en 2023 à 2,5 millions de tonnes alors que le pays ne produit que 1,2 million de tonnes, une production qui ne couvre qu'environ 60% des besoins. L'ambition des autorités ivoiriennes est de porter la production nationale à 2,7 millions de tonnes en 2027 et permettre au pays d'être autosuffisant en riz, pour enfin atteindre la barre de 3,5 millions de tonnes en 2030 et être exportateur de riz. Près de 300 km plus loin, voici une plantation artisanale de riz. Comme on en compte des dizaines dans cette localité de Cayeta, région de la Marawé, dans le centre-ouest. Ici, ici, vous comptez avoir un rendement d'un peu près combien En En dix, on compte avoir au moins 3 tonnes à l'hectare. Même pas trois tonnes C'est par rapport à un niveau d'enlèvement. Euh, ouais, ouais. Ça, Mais ça, on peut aller jusqu'à 4 tonnes. Ah, ça, c'est un record, c'est très bon. Ah, ouais. Un champ où s'effectue ce jour la récolte du riz, arrivée à maturité, grâce à cette moissonneuse-batteuse qui épargne d'une récolte manuelle, bien souvent fastidieuse. Une semi-mécanisation longtemps espérée par les riziculteurs comme Iseka Bakayoko, qui bénéficie d'un train avec une subvention de l'ADRI, l'agence pour le développement de la filière riz. Il peut désormais gagner en temps sur la récolte. Et on n'avait pas de des appuis. Des matériels agricoles. Aujourd'hui, avec les programmes, on, on a réussi à avoir des matériels, les intrants. Donc maintenant, on fait des grandes superficies. Voilà. Il s'agit ici d'un vaste programme que nous avons mis en place et que nous voulons démultiplier sur l'ensemble du territoire. Et ici, nous avons sur une parcelle de riz. mais Pour les connaisseurs, ils vont dire mais la parcelle n'est pas bonne. En fait, c'est une parcelle de, de bas fonds non aménagée. Mais nous avons voulu que dans ce programme-là, tout le monde soit pris. Même si ce n'est pas aménagé, euh, le paysan qui est ici a l'opportunité d'avoir la mécanisation. Donc, à chaque, pour chaque type de riziculture, le programme doit faire en sorte que chacun puisse s'élever, s'améliorer et puis avoir des gains. La nouvelle stratégie de développement de la filière... SNDR, qui a été lancé, vise à accroître les superficies rizicoles exploitées sous maîtrise de l'eau, la productivité des exploitations rizicoles, l'amélioration de la transformation du Paddy et la commercialisation du riz blanchi. Une stratégie dont le financement est estimé à 798 milliards de francs CFA et pour laquelle les partenaires techniques et financiers se sont engagés en présence du Premier ministre à apporter leur soutien afin d'aider la Côte d'Ivoire à non seulement couvrir ses besoins nationaux, mais également à être exportateur net de riz blanchi à l'horizon 2030.